Mon père, on le regarde, on dit toujours, ben, à un moment donné, sa passion, elle va s'effriter. Mais on dirait qu'en vieillissant, c'est le contraire. Sa passion augmente. Fait que moi, je l'ai vu, tu sais, j'ai commencé à travailler avec lui en 95. Puis, tu sais, à ce moment-là, il était passionné. Puis, oui, il avait l'intérêt pour la sériculture. Ça a toujours été un gros morceau dans sa vie. Mais aujourd'hui, je pense que c'est encore plus. Puis, ça grandit toujours. Fait qu'en réalité, je me dis, il y aura pas de limite. Ça nous motive, puis ça nous rend fiers. Ben, je pense que c'est ça, c'est les valeurs dans tout ça. C'est exemple, c'est mon père au départ, quand moi j'étais tout petit, là, il y avait l'érablière. Fait que tu as l'érablière, puis l'érablière, elle aussi, c'est une entreprise familiale. Puis mon père, ça, il nous a tout le temps impliqué, puis il nous a élevé les deux mains dedans, dans le fond. Puis ben, CDL, c'est sûr que c'est une entité indépendante, mais puis c'est une entreprise plus commerciale, puis oui, plus grosse, avec de la fabrication. Par contre, on utilise un peu les valeurs qui deviennent du monde agricole, là, de la petite entreprise familiale à cabane à sucre, on fait notre sirop d'érable, on utilise un peu les mêmes valeurs chez CDL. Puis c'est pour ça que je pense que ça fait une relation avec nos employés qui est beaucoup plus proche, là, qui fait en sorte que, tu sais, c'est comme c'est une cabane à sucre, hein, ou c'est une terre agricole. Il n'y a pas de hiérarchie dans le fond, là, c'est que tout le monde est au même piédestal, puis on pousse tout dans, on rame tout dans la même direction. Ma sériculteur, je le dirais, je dirais que justement, c'est, mon père, il est très généraliste. S'intéresse à tout comme sériculteur, peu importe le sujet, que ce soit la forêt, la mécanique. C'est quelqu'un qui aime, c'est un passionné de la sériculture. Je pense qu'il n'y a aucun sujet que mon père peut détester de la sériculture. Aussitôt tu parles de ça, il y a les étoiles dans les yeux, puis il va t'en conter des anecdotes ou des choses qui s'est passé durant plusieurs années, là, on va dire, là, d'exploitation séricole. Je pense qu'en général, le monde qui sont dans la sériculture, c'est du monde simple. Puis justement, c'est une grosse valeur, là, justement, là, de CDL, là, la simplicité, autant entre employés ou entre clients et CDL. Moi, mes parents, surtout, c'est toujours été tolérance. Ça, c'est des choses qu'on s'est fait toujours dire. Les compromis, il faut en faire. Puis c'est comme ça qu'on réussit à faire cheminer les idées différentes dans une entreprise. C'est d'être tolérant, d'être patient, de ne pas faire, comme on dit, de ne pas prendre des décisions sans que, comme on dit, on ait un quorum ou un consensus familial. Fait que c'est quelque chose qu'on a vraiment, je pense, été capable de faire, moi et mes frères, dans la gestion des dernières années avec la deuxième génération qui était présente.
Puis je pense que c'est un secret bien gardé. L'ampleur de CDL, c'est quand même, quand tu dis aux gens qu'on est aujourd'hui à tout près de 400 employés, que c'est, tu sais, qu'on est une entreprise nord-américaine. Même les gens de notre région, tu sais, s'imaginent pas que... En acériculture, on peut travailler 12 mois par année. Puis je pense que ce qui rend notre métier intéressant, c'est qu'on touche vraiment à beaucoup de champs d'expertise. Plomberie, pneumatique, pression, soudage, électricité, le vide, la gestion du vide, la gestion forestière, l'aménagement forestier, fabriquer des bâtiments pour le bouillage, les stations de pompage, fabriquer des chemins. Fait que je pense qu'il rend la sériculture vraiment intéressante pour CDL puis ses employés. Bien, c'est tellement de diversité puis de compétences que tu as besoin d'avoir pour justement réussir dans ce métier-là. Moi, je pense que ça représente, premièrement, peut-être un succès d'avoir transféré de la première à la deuxième génération. Hein? Ça, en réalité, je pense que vous savez déjà, c'est mes deux oncles et mon père qui ont fondé l'entreprise. Mes frères, on s'est intégrés, moi, en 95, mes frères, dans à peu près 2000. Puis, je vous dirais, le 30 ans, bien, en réalité, c'est pérennité de l'entreprise, passage à la deuxième génération, puis en même temps, bien, je pense qu'on a quand même bien réussi. Aujourd'hui, je pense que CDL se démarque dans l'industrie acéricole partout en Amérique du Nord, aujourd'hui en Europe avec d'autres projets. Fait que moi, en réalité, c'est d'avoir continué de construire quelque chose que mon père et mes oncles avaient commencé à faire, puis d'avoir continué à faire grandir tout ça. Mon père vient toujours nous challenger, là, souvent au niveau des produits surtout, parce que là, il est un peu moins présent, on va dire, au day-to-day, là, jour après jour. Par contre, quand on fait les tests, souvent, c'est à notre habillage justement familial qu'on fait ça. Puis c'est là que mon père va souvent analyser le produit qu'on a développé, puis souvent va donner ses idées, puis pourquoi ci, pourquoi ça. Peut-être de telle manière, ça serait mieux ou pas. Mais bref, il est resté allumé. Puis j'aimerais ça que, justement, en vieillissant, être comme lui. Ben, de la façon que je décrirais mon père, c'est un, comme on en parle, c'est un entrepreneur qui a des projets. Puis je pense que quand il est, depuis qu'il est tout petit, à aujourd'hui encore, aujourd'hui il est plus âgé, puis on y parle de projets, il est tout le temps super excité quand on parle de ça. Fait que ça, c'est un élément assez important, son esprit entrepreneurial. Mais par contre, il y a aussi mon père, c'est un super voyageur. Puis je pense que c'est cette passion-là de naître. Il veut toujours en connaître plus. Puis ça, c'est une valeur, moi, qui c'est sûr qui m'a transféré. Moi, je m'occupe du développement des affaires. Je suis allé vivre aux États-Unis. Puis aujourd'hui, je m'occupe du développement en Europe. Je m'occupe des achats en Asie. Quand j'étais tout petit, je me souviens quand mon père, on parle des années 70-80, il partait en voyage, puis moi, toutes les fois qu'il partait, c'était quelque chose de gros. Puis quand il revenait, moi, personnellement, il me ramenait toujours de l'argent de chaque pays. Puis là, ça c'est comme ça que j'ai commencé ma collection, notre petite collection d'argent. Puis il me faisait voyager un petit peu par ses voyages, puis ça me passionnait beaucoup. Puis c'est un peu ça, je pense, qu'aujourd'hui, qui a fait en sorte que moi, ça, j'ai, toutes les fois qu'il y a des projets à l'étranger, c'est cette passion-là, moi, de mon côté, qui m'a transféré, qui a fait en sorte que... Puis aujourd'hui, mon père, tu sais, il a pas arrêté de voyager, puis il aime ça découvrir, puis il a jamais eu peur de foncer, puis de l'âge, c'est pas une restriction pour lui présentement. Il va pareil, puis il fonce. Encore aujourd'hui, il est sur le conseil d'administration de l'entreprise. Oui, il n'est pas impliqué dans le day-to-day, là, dans le jour pour jour dans l'entreprise. Par contre, on le tient tout le temps occupé. Il vient nous voir dans les réunions stratégiques. Quand il y a des décisions qu'on... on va souvent chercher son opinion pour être certain que
pour être sûr qu'on, oui, on a consensus, mais d'aller se rechercher un petit âge avec mon père. Puis, mon père, ben oui, moi, je disais que je voyage. Là, on a moins voyagé dernièrement. Par contre, j'ai un show à faire aux États-Unis. C'est moins le fun de voyager tout seul. Puis c'est le fun de passer du temps avec, avec notre père. J'ai une manne, c'est tout le temps oui. Il aime rencontrer les gens. Il aime rencontrer les producteurs acéricoles. Il aime voir les nouvelles cultures. Il aime voir les nouveaux pays. Ça, c'est le fun d'avoir ça. Ben moi, ce que je dirais, une chose que moi qui était remarquable par rapport à mon père, c'est la confiance qu'il nous a donné aux trois frères ici, là, dans l'entreprise. Oui, il nous l'a transféré, puis il n'a jamais remis en question notre façon de la gérer. Il nous a fait vraiment 100% confiance, puis c'est une qualité que j'espère que je vais être capable de transférer à mes enfants là, si un jour ils reprennent le business, c'est certain. Là. Moi, je pense que c'est en équipe qu'on réussit parce qu'on partage nos craintes, on partage nos doutes, on va chercher de l'espoir, c'est ça, l'équipe. J'ai eu une entreprise 18 ans après que mes enfants étaient au secondaire. Quand ils ont été au secondaire, j'ai eu une entreprise 18 ans, puis j'ai travaillé en équipe. J'ai su ce que c'était que l'équipe. Hein? Puis pour ça, il faut que tu acceptes les idées des autres. Faut que tu dises, il y a peut-être une meilleure idée que moi. Faut parler. Je pense que c'était ça, nous autres, notre réussite, on parlait. Mmh. Des fois, ça faisait pas toujours bonne affaire, mais on dialoguait. Puis il y a 2-3 ans, les enfants disaient, « Mon Dieu, papa, le beau tête, tu nous as montré à travailler, ils sont autonomes. » J'ai aussi une fille, elle s'appelle Sophie. Elle a un doctorat en immuno-neuro. Elle a fait ses études à travers le monde. Au Japon, elle est allée à Calgary. Elle a travaillé à Harvard aussi. Puis elle n'est pas dans le domaine de la sériculture. Elle aime ça, par exemple, venir à Cabane. Maintenant, elle est dans l'enseignement. Elle mesure 5 pieds, mais elle forme juste comme un bulldog. Là. Un bulldog. À peu près comme lui. Le premier sirop d'érable que j'ai fait, c'est dans la cuisine de ma mère. J'entravaillais les érables, j'avais 7-8 ans, en deuxième, troisième année, et puis je sortais de l'école, puis mon grand-père m'avait montré entravailler les érables, jeune, là. J'entravaillais les érables, j'avais un petit traîneau avec une canisse dessus, puis je versais l'eau, puis je faisais bouillir ça dans la cuisine chez nous, et puis avec les fenêtres ouvertes en plein hiver, pour pas qu'il fasse trop chaud, puis je faisais le sirop d'érable pour la famille. Famille de 12, moi je suis le premier de 12. Fait que disons que ma mère a une classe à faire, mais ma mère, comme pour entreprendre, c'est elle qui m'a inspiré là-dedans. Parce qu'elle, c'était un entrepreneur. Elle n'avait pas d'argent, mais elle en avait tout le temps. Parce que quand elle n'en avait pas,
Elle faisait des pantoufles, elle faisait ses légumes, elle faisait sa viande. On avait une ferme d'un de mes oncles, là, moi j'étais tout le temps là. On tuait un porc une fois par année avec un bœuf, puis c'était la viande pour l'année. Puis elle avait un jardin immense, là, il y avait tous les légumes là-dedans, elle avait des fruits, des pommes, des framboises, des bleuets, on avait tout ça, puis là, elle faisait convoler ça, des fois dans la glace, ça n'avait pas de frigidaire au début, mais c'était ça à glace, avec, puis ça faisait un frigidaire de 12 mois, et puis elle gardait ses fruits sur la glace pour être capable de faire des tartes avec ça. Mais ma mère, elle, c'est une descendante irlandaise, là, puis c'était des entrepreneurs, des vrais entrepreneurs. Puis c'est elle qui nous a montré que dans vie, elle dit, on n'a pas d'argent aujourd'hui, mais demain, on va en avoir encore. Entrepreneur, parce que moi, après ça, j'ai fait école parce que mon frère et mon père me disaient, moi, je ne suis pas riche, mais ce que je peux te donner, il dit, tu vas à l'école, puis il dit, ta richesse, tu vas la gagner toi-même. Moi, j'ai eu un enseignant qui m'a aidé parce qu'il dit, toi, là, il dit, t'es capable t'es capable d'aller à l'université pour apprendre de quoi à ton goût. Fait que j'ai dit, moi, j'aime ça patenter, puis j'aime ça, disons, des choses qui sont proches de la nature. Fait que j'ai fait du génie industriel et en génie mécanique. Et puis, ça m'a aidé pour réaliser mes rêves avec les années, là. Et puis, quand je suis allé à l'Université Laval, j'avais suivi des cours en agronomie aussi, parce que je voulais connaître la foresterie. J'achetais avec des ingénieurs forestiers puis des gens qui étaient dans la nature, là, au niveau de l'agronomie. Mais quand je suis sorti de l'université, j'ai commencé à travailler chez IPL à Saint-Damien. Et puis, je travaille à cette compagnie-là parce que ma femme restait là. Puis, j'ai trouvé une job proche. J'avais trois jobs. J'ai rappelé les travailleurs à Côte-Nord pour Renault, puis des compagnies comme Hydro-Québec, pareil. Mais moi, je voulais être proche de la nature. Fait que j'ai rentré pour IPL Saint-Damien. J'ai été le premier professionnel de l'entreprise. À un moment donné, il y avait M. Desilaire de l'Université Laval, mon ancien prof, il m'appelle. Il dit « Hey, t'es à IPL, toi? » Il dit « Ils font du tube, eux autres, pour faire des systèmes à gravité. » Il dit « Moi, j'ai un projet, là, je travaille. » Il dit « Je t'ai déjà parlé quand t'étais avec nous autres à l'université. » Il dit « Viens donc me voir, va te montrer quelque chose. » Il dit « J'ai un problème, peut-être que tu peux m'aider. » Je dis « OK, j'y vais. » Là, il commence à me conter ça. Il dit, hey, je fais des travaux dans le parc de Laurentides. On a essayé au lieu de traire les vaches, on a essayé de traire des érables. Il n'y a pas de ça de même. Il dit, au lieu de tirer une vache, on tire un érable. Il appelle ça tirer vache dans le temps, pas traire. Le vrai mot du temps, c'était ça. Fait que vous voulez tirer vache? Ah oui. Il dit, on a découvert, je t'ai dit ça. Là, il dit, mais je répète pas ça parce que
On n'a pas que les... Disons, les agronomes n'aiment pas ça qu'on pompe les érables avec un, comme on pompe une vache. Parce qu'ils disent, les autres, ils vont penser qu'on veut détruire le bois, puis tout ça. Ils disent, non, non, ils ne diraient pas. Fait que là, ils me disent, on a réussi à tripler la production. La production de sève, d'eau d'érable, là, si tu la pompes avec un système sous vide. Ah, oui. Oui. Parce que moi, mon grand-père, il faisait, dans le temps, je me rappelle, il faisait 10 barils de sirop par année. Alors, j'ai dit, moi, je peux en faire 30 avec ça. Fait que là, ils ont pas ça, puis là, on entoure ça, puis ils disent, on va voir ce que ça donne. Hey, moi, dans mon cas, ici, là, il faisait 18 barils de sirop par année. J'en ai fait 45, moi. Hey, là, elle m'a dit une affaire, j'ai dit, là, on vient de découvrir de quoi. Je dis à M. Desilets, elle dit qu'il y a des tuyaux, comment vous en voulez? Je voulais voir un camion, c'est gratis. Il capotait en tabarnouche. Là, il dit, j'en demande pas tant. Je lui ai envoyé un trailer bien plein. Je lui ai dit, merci, je lui ai dit, pour l'information, mais j'ai dit, nous autres, tu sais, on va tirer les érables. Fait que ça, il était content, mais là on croyait à son projet, puis on voulait le prouver là, de façon quasiment industrielle. Moi j'achète 8000 en taille, et puis moi, puis M. Métivier, Clément Métivier de Saint-Damien, il n'achète un 8000 le tout. Ouais. Là, on part en expérience avec 16000 en taille d'une shot. Denis Desilets, mon gars, il était fier en maudit. Hey, tu me diras comment tu as fait de sirop? J'ai triplé comme il m'avait dit, exactement comme lui avait fait dans le parc des Laurentides, sur à peu près 150 arbres. Fait qu'on a commencé à faire ça, puis ça a pris quasiment une dizaine d'années avant que ça décolle, comme il faut. Mais quand M. Desilets a publié cette information-là, qui était des frères vraiment scientifiques, là, il a prouvé que, hors de tout doute, qu'on faisait pas tard à la forêt, puis qu'on pouvait commercialiser ça comme il faut. Mais là, on en a un problème, là. C'est que là, le sirop, là, tout le monde faisait du sirop qui demain de 3 ou 4 fois de plus qu'au saut avec une chaudière à l'arbre. Là. On était embourbés de sirop. Fait que là, IPL, sa production a baissé. Puis baisse. Puis à un moment donné, ils ont dit, hey, nous autres, on vend ça, ce département-là, là, parce qu'on ne fait plus d'argent avec ça. Ils n'ont plus qu'à même payer les vendeurs parce que, tu sais, ils vendent pas assez. Fait que j'ai dit, on va faire ça, parce que, fait que moi, hey, ils ne vendaient pas ça, hey, crime, c'est une belle entreprise, de tripler la production d'un arbre, d'un érable, là, c'est crif, il y a un potentiel énorme là-dedans. Ben, ils ont dit, si tu penses qu'il y a un potentiel énorme, là, il dit, veux-tu l'acheter? Ben, j'ai dit, oui, je l'achèterais, mais oui, hey, je suis pauvre, moi, j'ai pas d'argent. Il dit, on va faire une affaire avec toi. Il dit, achetez-la, et puis on va vous financer jusqu'à 15 ans, sans intérêt. Mais par contre, c'est nous autres qui fabriquons le plastique. Vous n'avez pas le droit de vendre une pièce de plastique et si ce n'est pas fait par IPL. On a monté, on a multiplié par 10 la grosseur, le volume de vente dans l'espace de 3 ans. Fait que c'est devenu le CDL que vous connaissez aujourd'hui, là, qu'on a acheté il y a 30 ans. Ça fait 30 ans maintenant, là, que mes frères et moi, puis là, mais puis après ça, mes frères, depuis ce temps-là, ils se sont retirés, puis c'est mes trois fils qui ont acheté leurs actions pour que ça devienne une famille, ma famille qui est propriétaire de ça maintenant, puis qui le développe, et ça va super bien.
CDL, moi, mon rêve, c'est que caresse dans ma famille, que mes enfants et mes petits-enfants, s'ils veulent, qui veulent rêver avec nous autres, là, qui soient, disons, partie de la compagnie, mais à faire des choses qu'ils aiment, parce que c'est rendu une entreprise qui a du potentiel énorme, et puis qui peut, je pense que moi, que l'industrie de l'érable et ses dérivés, là, c'est pas infini, mais ça peut être multiplié par 10 encore, puis vous dites que c'est gros, CDL, mais ça peut devenir bien plus gros que ça. Mais il faut pas rêver de devenir gros, il faut rêver de faire des produits qui sont bons pour la santé et puis que vous ne perdez pas, disons, votre vie à la faire. Ça, c'est vraiment important. Il faut que vous réalisez et que vous soyez heureux de travailler là-dedans. Si vous n'êtes pas heureux, vous êtes mieux de ne pas embarquer là-dedans. Ça. Une entreprise, là, c'est pas des bâtisses, c'est pas des machineries. C'est être capable de transmettre ta passion pour atteindre un but que les autres partagent avec toi. Ça, c'est entreprendre. Si tu réussis à faire ça, tu vas réussir, c'est sûr. C'est rien qu'une question de temps. Ça peut être plus vite, moins vite, mais il faut être capable de faire une équipe qui partage tes ambitions puis ton rêve. Il faut qu'ils partagent le rêve avec toi, sinon, s'ils ne font pas ça, ils ne sont pas impliqués, puis ils ne s'impliqueront jamais. Fait qu'entreprendre, c'est ça.